Vous pouvez m'appeler Brigitte. C'est en toute simplicité et avec sincérité que Brigitte Macron a répondu à sept lecteurs du Parisien aujourd'hui en France pour un entretien mis en ligne ce mercredi 11 janvier sur le site internet de nos confrères. Après les questions d'usage sur l'opération Pièce jaune, dont elle a donné le coup d'envoi ce jour même, la première dame a été questionnée sur une autre cause chère à son cœur, le harcèlement scolaire. Interrogée plus précisément sur la multiplication des numéros verts auxquels peuvent faire appel les mineurs victimes de ce fléau, l'épouse du président de la République a surpris nos confrères en faisant part de son désaccord avec la politique menée par l'exécutif. Comment s'y retrouver dans les numéros verts? Il y a le 119 enfants en danger, le 3018 victimes et témoins de violences numériques et le 3020 harcèlement scolaire, lui a fait remarquer Marie-Lou, demandant au passage pourquoi ces numéros ne sont pas regroupés en un seul. Ah, merci Marie-Lou, s'est alors exclamée Brigitte Macron. Et d'enchaîner, je voudrais une simplification, parce que plus il y a de numéros, moins on les retient. Je ne suis pas politiquement correcte en disant cela, a-t-elle ajouté, bien consciente de sa sortie, étant donné que ces numéros verts ont été créés lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Photo, Brigitte Macron et Bernadette Chirac, toutes ces fois où elles se sont accordées je n'ai pas le droit de me taire. Si la première dame s'est autorisée à sortir de sa réserve, c'est que le sujet lui incombe tout particulièrement. Je n'ai aucun pouvoir, mais dès que ça peut aider les enfants, les ados, je pense que je n'ai pas le droit de me taire. C'est ce qui m'a tenu le plus à cœur dans les 5 ans passés et ce qui me tient le plus à cœur. J'ai l'impression que s'il y a une raison pour laquelle je suis là, c'est pour faire avancer cette cause, a-t-elle alors souligné. Et de conclure, lutter contre le harcèlement scolaire, c'est mon combat. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Bruno Bébert.